contre les zombies. Everyone else turned into zombies. Non, non, non. Human and survival. And to stand up against the creatures, you need cool cars and weapons. Salut mon pote. Quoi, j'étais une fan depuis le début. Mais non. Come on, non, mais... baby. Ah, là, tout de suite, je préfère. On a des armes, fusil à pompe, fusil d'assaut. Hey. Oui, ça, j'aime bien aussi. Bah là, je suis un bon redneck. Ah, on n'a pas énormément de choix. Here we go. Alors, je veux bien. J'aime bien les armes, mais j'aime pas le perso. En tout cas, le menu est sympa. Bon, en fait, je vous ai menti, j'avais déjà vu l'introduction. J'avais déjà choisi mon personnage. Et ce jeu a l'air complètement barré. Ce jeu, du coup, c'est Drunk or Die. Et en fait, c'est un jeu de zombies. J'ai oublié de préciser, on est en réalité virtuelle. Si vous ne voyez pas de ma tête, c'est parce que bah, je suis en train de jouer. Hop là, la décadence, moi. Je fais n'importe quoi. Attends, c'est vraiment ce que je crois. Ne fumez pas, c'est pas bien. Alors, j'ai déjà fait une partie du tutoriel. Par ici, on nous apprend à tirer. Par ici, je ne sais pas encore. Oh, direct au bar. Alors, ça lag un peu, c'est pas très optimisé. J'ai un petit PC, je suis désolé. Mais normalement, on devrait quand même pouvoir s'amuser. Je pense qu'il est passé. Ah oui, alors non. Oui, d'accord, alors ça commence comme ça. Ok. J'avais pas compris. En fait, on ne bouge pas. Comment je peux tirer? Bouge pas, quoi. Est-ce qu'en mettant mon bras comme ça, vous pensez que je vais mieux viser? Ah. Non, 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 tu ne touches pas. Je suis un gangster. En fait, je suis un redneck et un peu un gangster parce que je tire de travers. Je sais pas ce que c'est que ce bruit, mais je crois que c'est le niveau d'alcool qui est trop bas. Mon niveau d'alcool est trop bas, faut que je bois un coup. Et bon, je recharge en même temps. Ça a été trop vite. Ça a été beaucoup trop vite. J'ai eu beaucoup trop d'informations en même temps. 2 seconds later. T'inquiète, on se descend un petit shot, ça va le faire. Au pire, j'en prends un dans l'autre main. Je commence à voir tout par contre, hein. I'll slice him up. Je peux pas la fermer, toi. Take that. Smash, 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 smash. Oops. Mais c'est lui qui met la musique, en fait. Allez. Mais j'avais pas un fusil d'assaut, moi, de base. Ah bah si. Dégage. Ça m'explose tout. Boum. C'est comme ça qu'on reparle. Le loup bizarre là. Du jus. C'est du jus en fait. Du jus magique. C'était pas prévu ça à la base. Ah s'il vous plaît, je voulais changer. Mais bon voilà, là j'ai l'arme, c'est l'arme du bon côté. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Je pense à un bon moment à 30 FPS. Seulement j'aurai un vieux PC. J'espère que la musique est pas copyright. Je vais avoir des problèmes après. On a un boxeur, pourquoi il y a Mac Tyson là? De l'alcool, j'ai besoin de remonter. L'alcool est à consommer. Avec modération, salut modération. Le serveuse qui s'appelle modération. C'est ça en fait. Mais non mais... Je suis trop loin de mon setup, parce que... Trop restreint dans mon espace. C'est pas bien de me fêler, tu histoire. Ça ne s'arrête jamais. Ah mais ils explosent. Ah mais c'est ça en fait qu'il faut faire depuis le début. Ah il faut que je me recharge. Faut que je me recharge en liquidité. Vite, il a mis la liquidité. Y'a rien à comprendre. Au secours. Je crois plus que c'est les mettre à la fin. Oh c'est fini. Je déconne. J'ai gagné. Je vois plus rien.
Non, le cas c'est un peu graphique. Ah non, c'est bon, j'ai été téléporté. Dogo, il a un masque à gaz. Bah alors chez moi, hein, c'est vraiment en 5 FPS. Hein. Je sais vraiment pas si ça sera plus fluide pour le petit retour vidéo. J'espère vraiment d'ailleurs que vous arriverez à profiter un petit peu du contenu. C'est très immersif, c'est très nerveux. Mais par contre, voilà, la qualité graphique, je peux pas faire beaucoup mieux. Hein. Là, actuellement, je suis sur un PC portable. Je peux pas jouer sur mon PC principal par manque de place. Je peux pas installer SteamVR. Mais de toute façon, mon PC principal est pas beaucoup plus puissant. Mais c'est assez sympa. Eh, mais j'ai débloqué la porte là-bas. Hein? Mais non. On a accès à tout l'arsenal. Ah, mais je peux juste observer, je peux pas m'en servir. Eh, mais... Eh, mais y a encore tout plein d'armes, là. Oh! Oh la vache, je le veux! Je le veux, je suis un peu trop loin. Non, tombe pas! Il est un peu gros, ce pistolet, vous trouvez pas? Et merde, je l'ai fait tomber! C'est-à-dire que même avec peu de détails, en termes de graphisme, ça a de la gueule. Ah ça, je m'y attendais pas, par contre. Alors, on a un Oscar... Oula, attends, c'est quoi le gros truc à côté, là? C'est quoi, ça? C'est quoi? Est-ce qu'on peut voir l'arme? Ouais, peut-être. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr qu'on peut voir. Moi, je suis accroupi, du coup, là. Mais non. C'est trop bien. Il y a un lance-flamme! Il y a un lance-flamme d'Elon Musk! Mais non. Attends, je vais m'appuyer sur la table. Y a pas vraiment de table là-bas. Sinon, on a des pistolets roses. Ah, mais non, il y a des crânes dessus. Oui, enfin, on dirait qu'il y a un pistolet AliExpress. Hein. Non, par contre, ce pistolet est vraiment très stylé. Hein. Mais j'aurais bien accédé à d'autres armes. Là, je vois, il y a un lance-grenade. Il y a des AK. Il y a un Deagle. Et là aussi, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça m'emmène? Ah, mais je vois mon perso. Salut, modération, ça va? Je m'en fous. Moi, je veux commencer la deuxième mission. L'affaire. Ah, ouais. Oh, oui! Non, tu déconnes, on est là-bas. Je peux prendre mon arme? Je peux pas prendre mon arme, ok. L'introduction. Ah, mais le truc, c'est que je suis debout. Ça fait trop bizarre. Alors, excuse-moi, hein, mais il y a un avion derrière nous. Salut, mon pote. Ça a pas l'air de t'étonner, toi. Hein. Alors, je veux pas m'affoler, mais il y a des zombies là-bas. Tu peux me donner une arme? Donne. Non, pas la transition! But we're not leaving this hangar without something that can get us through this muck. La ferme! La ferme! Je veux jouer! Je veux jouer! Qu'est-ce que... Je vais pouvoir me déplacer plusieurs fois? Non, rien à voir, c'est juste une phase interactive. Avec les ombres en l'eau. Mais en vrai, c'est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas trop mal, hein. Bon là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu de genre début des années 2000, mais en VR. Mais encore une fois, c'est à cause de mon PC. Je suis un petit peu navré. La VR, c'est un peu gourmand, c'est un petit peu... Ça demande des performances. Just turn the knob around. Ah, je suis allé trop vite pour démarrer le moteur. Allez, démarre! Je fais n'importe quoi, je m'en fous. Putain, ça démarre! J'ai mon bras qui fait n'importe quoi. Ah, d'accord. Donc là, on est à bord de la moissonneuse batteuse. Putain, je peux conduire... Mais non, tu déconnes! Non, tu déconnes! Tu déconnes! Je peux conduire une main et avoir la bouteille dans l'autre. Tu déconnes! Ah! Ah merde, bah j'ai foncé dans le véhicule. Bah ouais, bah. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les deux yeux en face de la route. Mais oui, faut pas être distrait. Oh, du coup, je disais. C'est rien, c'est de la limonade, tout va bien. Alors en plus, le contrôle il est horrible! Ouah, ça met 15 ans à tourner! Non, ça va, on voit les véhicules. Mais pourquoi il y a plein de citernes aussi? Oh, j'espère que le jeu est pas trop exigeant. Non, 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 non. Et non. Non, le jeu est ultra exigeant. Non, non, non. Non, pas du tout pressé. Au secours. Ok, t'inquiète donc pas, je suis un professionnel. Attends, je regarde juste mes pieds. Bah, je comprends pourquoi on me laisse le volant. Hein? C'est ça, hein? Tu sais pas conduire? C'est comment on m'appelle, moi? Kevin Diesel? Non, tourne, 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 fais pas le con. Mais non! Non! La ferme, moi je vais dans le bar plus 18! Est-ce que je vais devoir censurer des choses? Ouais, alors elle est pas nue, hein, mais bon, c'est assez subjectif, hein, je vais rien vous montrer. Attends, mais qu'on soit d'accord, c'est juste du fan de service, je reconnais. Mais non! Je suis passé par là, hein, par pur hasard, et puis je me suis dit, tiens, il y a un piano! Au secours! C'est pas du tout précis. Moi c'est pas Chopin, moi c'est Chaud Lapin.
Je dis pas ça parce que je suis dans un bar striptease. Hey, y'a un bowling. Ball. Alors, je suppose qu'ils veulent parler de mes... Boule le bowling. Alors, le truc, c'est que je vois pas ce qu'il y a devant moi. Alors, pas dans le jeu, mais en vrai. Si je tape dans la porte, on voulait pas, ça va faire un bruit bizarre. Alors, je suis pas certain, j'ai déjà joué au bowling, c'est pas comme ça qu'on fait pour qu'on joue. Hein. C'est pour que j'ai fait de la merde. Ah, bah, on va l'acheter plus bas, hein. Mais non, mais... Allez, fais les miracles. C'est parti, je crois en toi. Je crois en toi. Y'a pas de bruit. Ah mais c'est fait pour être joué à deux. Bah oui, parce que j'ai déjà tiré deux fois. Du coup là je joue à la seconde place. Je joue à la place de joueur 2. Et mais du coup ça veut dire que ce jeu est multijoueur. T'es mal artiste. C'est bon, ça y va. J'espère qu'elle y va. Ouais bah en fait je suis aussi nul qu'en vrai au final. Mais non mais en fait c'est un bar mais c'est aussi une salle d'arcade, je le reconnais. Non, le marteau qui reste bloqué. Attends, moi je veux jouer. Oui. Non, il y a des humains. J'ai déjà perdu. Mais non. Je me suis fait avoir. Oh, ça va trop vite. Attends, mais c'est raciste. Attends, je reconnais, c'est raciste. Je raciste. Mais pourquoi? J'ai pas le droit de tuer les zombies. Faut que je tue les humains, c'est ça? Ah, par contre, là, il y a Mjolnir qui est bloqué. Reviens. Mais j'ai cassé le jeu. Non, c'est bon. Non, j'ai encore tué un humain. En fait, je sais pas si vraiment vous ressentez le lag, mais moi je joue vraiment à 5 FPS en fait. Du coup, la latence qu'il y a, c'est énervé. Et moi, comment je descends la bouteille? Moi, j'ai une bonne descente, du moins que c'est du Coca-Cola. Je suis tout seul dans le bar à part les danseuses exotiques. Il y a zéro zombie. Et j'étanche ma soif. Et du coup, vu que j'ai pas besoin de me défendre, techniquement, ça sert à rien ce que je fais, mais c'est pas grave. Je commence à avoir foutre là. Alors, du coup. Je vous jure, je vois vraiment flou. C'est moi qui commence à faire un malaise ou c'est mon perso dans le jeu? Est-ce que vous avez déjà mis des casques pendant la sécurité routière quand vous étiez à l'école qui vous faisaient avoir une vision un peu bizarre, qui vous simulait une certaine substance ou une certaine liquidité? Attends, je peux monter sur scène? Il y a une batterie. Tu peux vraiment jouer? Tu déconnes. Ah oui, alors du coup, l'autre baguette elle est tombée. Je sais même pas si ça s'appelle vraiment comme ça. Je joue pas de batterie. Mais le pire, c'est que ça marche vachement bien. Ça lag par contre. Mais non, il y a un beer pong que j'avais pas vu. Tu déconnes. Ah bah, je suis nul qu'en vrai. Mais non. Je l'ai mis. Eh, je le geste, hein. Je connais la technique, hein. Oh, la physique est trop bien. Mais elle sort d'où, celle-là? Excusez-moi, je peux casser le jeu. Non! Non, j'ai cassé! J'ai cassé... Oh. J'ai perdu la vue. C'est sympa. Mais non, mais la physique est trop bien en fait. Enfin, des fois c'est un peu buggé, mais des fois ça marche bien. Mais en fait, tiens, il y a une boule qui vient d'apparaître, je viens de faire un tour de magie, vous avez vu? Mais regardez, il y a même vraiment la bouteille qui se vide. Est-ce que je peux la casser? Non, je vais casser la bouteille. Oui, ça marche, it works. Et du coup, c'était Drunk or Die. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. D'ailleurs, à propos de commenter, préférez quel pistolet? Préférez ce Desert Eagle ou ce revolver? Il est beau, hein. Il est tellement plus gros comparé au Desert Eagle, c'est n'importe quoi. Allez, salut!